troisième jour à l'île Maurice. On part voir les cascades de Chavarel et la terre des sept couleurs. Je sais pas si vous verrez, oui vous le verrez, encore sous la pluie, mais franchement ça va, on a le rayon soleil en même temps. Du coup on est à la terre des sept couleurs et on a fait la cascade de Chamarel. Du coup on repart de Chamarel et on va aller visiter une romerie. Parce qu'il est l'heure. Parce qu'il est l'heure, je vois. C'est l'heure de l'apéro. Bah pas du tout, du pique-nique tu voulais dire en fait. Non en fait c'est l'heure de l'apéro. Le 11 juin, on est toujours à l'île Maurice et du coup on est sur la plage, il est 8h30 du matin et on commence la journée avec une vue paradisiaque évidemment. Je ne sais même pas si vous m'entendrez avec le bruit des vagues, mais voilà, on est venu faire quelques prises de vue en drone. Sur la route de terre pour aller aux Mornes, petite randonnée prévue. Petite pause pique-nique au pied du Morne. Je m'arrête là parce que j'ai le vertige et que là ça vient de l'escalade. Du coup Benoît il va faire quelques plans en drone s'il n'y a pas trop de vent. Là on est dans une petite grotte.
et je vais vous montrer ce que je vois. Voilà, donc là on vient d'escalader toute cette partie là. Bon, ça y est, on est revenu à la voiture, on a fini le morne. Ça va, hein? Oui, on est même descendu en courant. Ouais, on a fait une petite partie en courant. C'est mieux en courant quand c'est il y a moins de pierres, du coup c'est un peu plus fluide. C'est merde au moins. C'est beau, il y a beaucoup de vent, le drone. Le drone, il a un peu galéré, on n'a pas pu faire beaucoup d'images, mais voilà, on a mis globalement. On a mis à peu près 2 heures. Ouais. 1 heure à monter et puis après on s'est posé un bon quart d'heure, 20 minutes là-haut, on a mangé un petit peu et puis là on a mis 3 quarts d'heure à redescendre en courant un peu. Mais je déconseille de faire avec la radio, chérie. Bah ça fait ambiance. Oui, mais je vais me faire spoiler sur YouTube. Ah ouais, c'est vachement plus sympa. Ça grésille. Bref, j'ai terminé. Avec des enfants, impossible, je pense. Ça monte trop haut, pas avant 10 ans. Après, ça dépend des enfants, s'ils sont habitués à faire de la randonnée, mais les nôtres, en tout cas, ils ne seraient pas montés. Hein ? Non. On a laissé Chloé et Lisa faire la dernière partie, là, la partie en mode escalade, parce que moi, j'avais le vertige et Benoît, bah, t'avais pas plus envie, hein, tu restes avec moi ? Ouais. Du coup, vu qu'on est venu à 2 voitures, finalement on est redescendu que tous les deux. Et puis on va aller manger et profiter du transat de l'hôtel. C'est bien ça. Il faut attendre qu'il touche l'eau. Hein. Bah, plus vite. Cours. Attention les pieds. Regardez bien ses pieds. Si elle a perdu, vous le dites. Oh. Allez, en dehors. Ouais. C'est parti, à toi Léonard. Dis-moi, faut pas mettre les pieds en dehors. Oh le dieu. Merci. Allez, accélère. Allez, à toi Léo. Là, il y a eu deux vents. Allez, Léo.